Tu peux faire tout ce que tu veux, tu filmes là. Vous me demandez pas si je suis prêt. Tu es prêt? On rend hommage à Nanani, nanana. Après, ça, le mec là qui court là. Jeez. Les enfants avec lesquels on travaille, qui sont en difficulté ou ont des handicaps, ont vraiment besoin de moyens d'apprentissage nouveaux. Et le projet Orange Rouge leur permet véritablement de s'épanouir, d'échanger, de s'ouvrir, de grandir au contact d'artistes en créant collectivement une œuvre d'art. Pas facile de survivre pour les petits qui sont dans les rues. Ces classes se situent aux marges de l'école au sein de l'établissement scolaire et emmènent les artistes vraiment dans des situations qui sont entièrement nouvelles pour eux. Et puis ça m'a permis de les voir dans d'autres situations que des situations scolaires banales. Par exemple, quand ils étaient au musée Guimet ou même au muséum d'histoire naturelle, les enfants ont développé beaucoup de compétences que j'aurais pas pu évaluer en classe normale. J'ai eu envie de participer au projet Orange Rouge en tant que commissaire invité après avoir vu les deux expositions d'Orange Rouge, notamment celle qui a eu lieu à Casma. Voilà, c'est vraiment les expositions qui m'ont donné envie de participer à ce projet. Les productions chaque année sont présentées dans un premier temps au sein des collèges, aux proches des adolescents. Puis ensuite, Orange Rouge organise une exposition dans un lieu dédié à l'art contemporain, où là, les productions collectives rencontrent un public élargi, donc à la fois les familles, les enseignants, les artistes et le monde de l'art.